dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de ce week-end. Donc le programme de ce week-end, j'en ai pas pour l'instant. Voilà, peut-être il y aura quelque chose qui se rajoutera à l'improviste, mais en tout cas ce week-end j'ai rien de prévu à part emmener Jada à la danse. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je sais pour ce week-end. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. En tout cas, il est 9h30, je bois mon café et oui, je vais faire un peu de ménage chez moi et emmener Jada après à la danse. Donc ça, je sais ce que j'ai à faire ce matin et après, bah, on verra. On verra. Voilà, je vous retrouve donc après. Me revoilà donc toute prête. Je me suis aussi maquillée. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, je me suis maquillée. Je me suis dit, profite-en le week-end. Maquille-toi, c'était une passion. Donc oui, j'aime bien me maquiller. Donc pourquoi pas le faire le week-end. Parce que dans la semaine, franchement, j'ai un boulot qui ne demande absolument pas de maquillage. Après, oui, il y en a ceux qui le font quand même, hein, parce qu'il faut savoir que je suis aide-ménagère. Me revoilà, donc je suis de retour à la maison. J'ai emmené Jada donc à la danse et j'étais aussi vite fait au Lidl parce qu'il m'a manqué quelques trucs pour ce soir, pour faire à manger. Je vais faire du poulet frit avec, je pense, des frites et une salade. Donc, ce sera le menu de ce soir. Et voilà. Donc, maintenant, il est 2h et dans une demi-heure, bah, je vais de nouveau chercher Jada. Et ensuite, bah, on a l'après-midi libre. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense peut-être colorier les œufs de Pâques, puisqu'on ne l'a pas fait la semaine dernière. Donc peut-être cette semaine. Je ne sais pas, on va voir. Mais en même temps, il fait tellement chaud aujourd'hui. Je pense qu'il fait 10 degrés. Je vais voir sur la tablette. Alors... C'est là la météo, hein. Elle n'a pas de météo, voilà. Elle n'a pas de météo. Donc, je dois aller chercher mon téléphone. Ah, il est là. Alors, météo. Il fait 11 degrés chez moi. Donc, il fait quand même très, très... Enfin, très, très chaud. Il fait très bon. Il fait super bon aujourd'hui. Et j'ai vraiment envie de profiter de cette journée. Donc, je ne sais pas si on va rester à la maison ou si on va faire quelque chose à réfléchir. Voilà, à réfléchir. Donc, voilà. Donc, je vous reprends donc plus tard. Je vous reprends dans une position assez étrange parce que j'ai le soleil en plein visage. Donc, je suis arrivée devant la maison de ma copine. Et du coup, on ira boire un café chez elle. Donc, voilà. On est donc chez ma copine, donc on va bientôt partir parce qu'il est bientôt 6h. On est de retour à la maison. J'ai traîné chez ma copine comme d'habitude. Je compte en papote, enfin on papote vraiment beaucoup et il se fait toujours assez tard. Donc il est 8h et j'avais prévu de faire du poulet frit comme des wings. Mais comme il est tard, ben voilà, j'ai chauffé le four et on mettra une pizza au four et ça sera très bon comme ça pour ce soir. Et demain, je ferai donc les poulets, le poulet frit, comme genre les wings et on mangera ça. Non, c'est les wings. C'est les wings. Et on fera ça donc demain. Comme ça, je vous montrerai aussi la recette si ça vous intéresse. Je vous montrerai aussi la recette. C'est très facile et c'est super bon. Donc, voilà. On va aller maintenant se laver, hein, surtout moi, voilà, je porte vraiment du maquillage. J'ai hâte de maquiller tout ça, de me mettre en pyjama et de profiter de la soirée. Voilà. Soirée. On se retrouve donc plus tard. On a terminé de manger et maintenant on se retrouve sur le divan avec une lumière très faible parce que j'aime bien rester comme ça le soir devant ma télé, donc là... On est devant la télé et maintenant c'est ce qu'on va faire jusqu'au dodo. Je vais donc vous laisser et je vous dis donc à demain. Ciao ciao! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est dimanche et je prends mon café. Il y a eu le changement d'horaire cette nuit, donc de la nuit de samedi à dimanche. Je pense que ça, vous le savez déjà. Oui.
Et heureusement que c'était dans le week-end pour qu'on voilà, on puisse quand même faire nos heures normales, dormir vraiment nos heures normales. Et voilà, parce que je me rappelle quand c'était dans la semaine, c'était une catastrophe de se lever et de perdre 1 heure, quoi. Voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, rien, puisque là maintenant, je vais faire à manger. Vous allez me dire déjà, mais je prépare en fait. Je prépare parce que ça prend un peu plus de temps, tout ça. Et voilà, donc on dirait que je suis floue, non? Depuis hier, j'étais en train de faire des réglages sur la caméra. Oh là là, je suis floue ou pas? Je pense que c'est bon là. Voilà, donc bon, si vous me voyez flou, bah, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que là la machine, la caméra. Voilà, donc je vous retrouve après. Voilà, on va faire comme ça. Alors, pour faire la farce, donc la panure, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut pour faire donc la recette des ailes panées frites. Donc, je vais commencer donc par les œufs. Il en faut 5 entières. Ensuite, on ira mettre un peu de sel et un peu de poivre. Du persil, si vous avez frais, bah vous le mettez frais. Moi, je vais le mettre donc sec. Ensuite, on ira mettre du fromage râpé. Et après, ben, on va tourner le tout. Moi, je prends une fourchette. Vous pouvez légèrement goûter si c'est assez assaisonné pour vous, parce que les ingrédients, ben, moi je les fais à l'œil. Voilà, sinon si goûtez d'abord, et si c'est pas assez salé, vous mettez du sel, si c'est pas assez poivré, vous mettez du poivre. Voilà, vous jouez vous-même en fait au niveau du goût, parce que j'ai pas les portions, enfin les ingrédients exacts. Moi, tout ça, comme je vous ai dit, je fais à l'œil. Ensuite, on ira couper donc les ailes de poulet, mais on peut prendre aussi les pilons de poulet, mais de préférence vraiment les ailes de poulet. On ira les couper en deux et ensuite, on ira les mettre d'abord dans la farine. On les fait donc paner dans la farine et ensuite, on les met dans l'œuf et ensuite, on les verse ici dans l'huile. Bah, là, j'ai pas mis, mais voilà, vous mettez quand même assez d'huile parce qu'ils vont vraiment boire de l'huile, on va dire ça comme ça. Vous mettez quand même un bon fond d'huile et vous les laissez donc cuire dans la poêle. Et une fois qu'ils sont dorés, voire un peu déjà bruns, et ben ils sont déjà prêts. Vous pouvez les enlever et vous les mettez donc sur une assiette avec du papier essuie-tout. Comme ça, l'essuie-tout va absorber l'excès d'huile en trop en fait sur le poulet. Donc c'est comme ça que je fais. Donc là, comme je vous ai dit, il est un peu trop tôt, mais je vais déjà couper le poulet, je vais les mettre dans la farine et ensuite quand il sera vraiment l'heure de cuisiner, bah, je les mettrai dans l'œuf. Voilà. Vous pouvez les faire avec de comment? Avec des frites, du riz, voilà, avec tout ce que vous voulez, des pommes de terre bouillies, une salade, des petits pois, enfin.
comme vous, des petits pois et carottes. Enfin, vous faites un peu comme vous voulez, hein, comme accompagnement. Voilà. Ça, c'est en train de cuire maintenant et je vous reprends après quand c'est cuit. Comme ça, vous voyez plus ou moins la tête qu'ils auront une fois tout cuit. Donc voilà, comme je vous ai dit, je les ai coupés en deux. J'ai mis d'abord dans la farine, ensuite je les plonge dans l'œuf et ensuite dans l'huile. Et je les fais cuire, je pense, 5 minutes environ. Et je vous reprends de toute façon après pour vous montrer la tête qu'ils ont une fois cuit. Voilà, quand ils sont cuits, enfin, d'un côté, là je les ai tournés, donc là il faut qu'ils cuisent de l'autre côté, donc en dessous. Et voilà, ça c'est plus ou moins la couleur qu'il faut qu'ils aillent, vraiment un brun doré qui commence à devenir brun, on va dire. Voilà, comme ça. Voilà le résultat. Bon appétit! Je vous ai abandonné un tout petit peu l'après-midi, on a mangé très tard, vers 3h. Ensuite, je me suis mis à repasser, là je suis dans ma salle de bain parce que je vais faire couler un bain à Jada. Et en même temps, je vais vous montrer un peu les salles de bain que j'achète chez Action. Comment ça se transforme en fait dans l'eau pour ceux qui, et celles qui ne savent pas encore ce que c'est. Et comment ça marche, enfin, je vais vous montrer ça donc en vidéo. Donc là, je vais couler donc mon bain, donc je vais couler l'eau plutôt. Je vais la faire remplir à moitié et ensuite on ira mettre donc ceci, les sels de bain. Ça j'ai acheté donc à Action, je pense qu'il coûte moins d'1 €, donc on mettra tout le sachet. Sinon vous pouvez mettre aussi la moitié et faire la prochaine fois l'autre moitié. Nous on va remplir quand même tout la baignoire, donc il faudra sûrement tout le sachet. Bon bah après on peut gérer nous-mêmes en fait la couleur. Donc ça ressemble à ça, en fait c'est des petits billes, je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Voilà, donc on va mettre le... enfin Jada va mettre tout ça dans l'eau. Ça se transforme, oui on dirait du pipi. Voilà, ça va maintenant fondre, les petits billes vont fondre et on les verra plus du tout dans l'eau. C'est bon ouais. Bah maison encore. Voilà. On est en train de faire la dictée, comme d'habitude Jada elle a dicté lundi, donc on est en train de préparer ça. Donc Jada, le prochain mot c'est corne. Voilà, donc on va faire ça. Jada elle a fait sa douche, on est maintenant sur l'heure de... il est bientôt 6h. Comme on a mangé tard, ben, on n'a pas très très faim, donc on va s'y mettre un peu à étudier. Je vous reprends plus tard. On est dans la chambre de Jada, comme vous pouvez le voir, je pense, voilà. On est dans la chambre de Jada, on s'est mis sur son lit et on est en train de faire de la lecture. Donc Jada est en train de lire un peu un livre que je pense que j'avais acheté chez Action. C'est Pinocchio. Donc c'est avec des autocollants. Regardez derrière. Voilà, avec les autocollants. Elle a dû coller les autocollants et maintenant, ça... C'était l'année dernière, je crois que je l'avais acheté, donc elle était en maternelle. Donc cette année, je pense qu'elle saura lire, hein, donc on va maintenant s'y mettre un peu et je vais... Ah, la caméra, elle est floue. Ah. Et on va s'y mettre un peu et on va voir son niveau de lecture. Encore flou. Hein? Encore flou. Non, ça va, c'est plus flou. Donc voilà, je vous retrouve donc plus tard. Voilà, donc on a terminé de manger, on est dans la cuisine. Avec Jada, oui. On a fini de manger, oui. Il est 8h, donc je trouve que depuis que l'horaire a changé, le temps file à une vitesse pas possible. J'y crois pas en fait, faut que je m'y habitue maintenant à la nouvelle horaire. Enfin, on est déjà 8h30, donc elle doit normalement aller se coucher maintenant, mais voilà, vu qu'il y a le changement d'horaire, elle ira se coucher un peu plus tard, donc voilà, je lui donne un peu de temps aussi pour s'adapter à la nouvelle horaire. Ça la perturbe, comme ça m'a perturbe, ça me perturbe. Perturbe à moi aussi. Oh là là, j'ai du mal à parler ce soir. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Bah, j'ai la vaisselle à faire. Je vais faire ça. Et après, je vais me laver. Hein, parce que je ne me suis pas encore lavée. Et ensuite, ben, il sera l'heure d'aller se coucher. Hein. J'aurai besoin d'une bonne demi-heure pour faire la vaisselle. Et ensuite, une bonne demi-heure pour faire la douche. Et après, ben, je dois coucher Jada. Il sera l'heure. Donc voilà, je sais pas si je vous prends plus tard, je pense pas, franchement ce soir ça va aller très très vite, je vais faire la douche, la vaisselle et puis ben coucher Jada, il n'y a plus rien d'intéressant à voir ce soir,
Je vais vous laisser sur ces beaux images. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus vers le haut. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. Et moi, je vous retrouve donc vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!